Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui, pour cet épisode de Prototype 101, je vais être accompagné de LP comme à l'habitude. Bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, on a un invité spécial, Simon, qui s'en vient nous présenter un jeu qui sera prochainement sur Kickstarter, Hockey sur carte. Oui. Hockey sur carte, c'est un jeu créé par mon frère, Vincent Maltais, et illustré aussi par lui. Vous allez voir tantôt le détail des cartes avec ton explication. Mm-hmm. Et Hockey sur carte, c'est un jeu de passe et de but. Alors, c'est le slogan officiel. Et comme dit mon frère, c'est le pire slogan au monde, mais bon. Là, dans le fond, le 21, on va lancer le Kickstarter. On est peut-être déjà plus tard que le 21, ou on ne sait pas où on est dans le temps présentement. Mais bien sûr, vous allez pouvoir avoir toutes les informations sur comment encourager le projet, comment nous aider. Mais aujourd'hui, on est ici pour voir les règlements du jeu, voir comment ça se déroule à l'intérieur de cette petite boîte-là. Je pense que c'est assez simple, assez efficace et... allons-y. Et voilà, fait comme à l'habitude, je vous montre comment ça fonctionne. On vous explique, on va vous montrer le jeu, on va vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite boîte-là, qui n'est pas la version finale d'ailleurs. Et on vous revient à la fin pour vous dire ce qu'on en pense, avec le mot de la fin avec Simon et le professeur Boardgame. Donc avant de commencer, je précise que le matériel qu'on a ici, la version de jeu qu'on a ici, est évidemment une version prototype. Il va y avoir certains changements pendant la campagne Kickstarter. La qualité des cartes va être supérieure. Il peut y avoir peut-être des petits changements au niveau du graphisme. Il y a des choses qui vont peut-être être débloquées selon le succès de la campagne. La boîte de jeu ne sera pas la même. Bref, on garde ça en tête. Maintenant, comment ça fonctionne? Première étape, la mise en place. Dans le matériel du jeu, la seule chose qu'on a, c'est un paquet de cartes qui ressemble à ça ici. Donc, première chose qu'on va faire pour placer le jeu, moi je vais faire une partie à deux joueurs que je vais placer. Première chose qu'on va faire, on va révéler les cinq premières cartes du jeu, on va les brûler ainsi, en s'assurant que la première carte est bien visible pour chacun des joueurs. Une fois que ça c'est fait, on va distribuer cinq cartes aux deux joueurs pour faire la même carte initiale, puis on va déposer la pioche, pour qu'elle soit accessible pour chacun des joueurs. Le tour de jeu, la façon que ça va fonctionner, chaque joueur va jouer une carte à tour de rôle sur le paquet central. Il ne piochera pas une nouvelle carte pour remplacer immédiatement la carte qu'il a jouée, mais plutôt quand les deux joueurs vont avoir joué toutes leurs mains sur la pioche centrale, on va redistribuer 5 cartes à chacun des deux joueurs, puis on va continuer ainsi jusqu'à temps que la pioche soit vide. Quand on a vidé la pioche une première fois, on a terminé la première période. Évidemment, comme vous êtes des amateurs de hockey, vous savez qu'on va ainsi jouer 3 périodes, et à la fin d'une partie de hockey, celui qui va avoir le plus de buts va l'emporter. Donc, comment ça fonctionne? Comme j'ai dit, chaque joueur a 5 cartes en main. On va jouer des cartes à tour de rôle. Le but, évidemment, est de marquer des buts. Pour marquer des buts, on est des bons joueurs d'équipe. Il faut d'abord et avant tout faire une passe. Première étape. Fait que maintenant, comment ça fonctionne? À partir de la main de 5 cartes, des 5 cartes qu'on a brûlées en début de partie dans la mise en place, chaque joueur va jouer une carte sur cette pile-là. Disons qu'ici, mon premier joueur, on va jouer Dwayne Grenier, notre capitaine. On commence fort. L'adversaire... ça va être à son tour de jouer maintenant que moi j'ai joué une carte. Fait que mon adversaire, s'il joue la même carte que celle que j'ai jouée, ben il vient de réussir une passe. S'il avait joué toute autre carte, on aurait tout simplement continué à jouer, mais en jouant la même carte, il réussit une passe. La main revient à moi, ça revient à moi. Je vais jouer une carte, je vais essayer de me défendre en jouant un autre joueur. J'oublie pas que mon adversaire, présentement, il a une passe contre moi. La main revient à lui, il rejoue encore une fois un deuxième double d'affilée sur moi. On a un but qui s'est marqué. On a une petite carte ici qui va servir à compter les buts. Fait qu'on a tout simplement à découvrir le 1 en servant de n'importe quel autre marqueur. Dans ce cas-ci, j'ai pris le résumé des règles pour dévoiler qu'un premier but. Fait qu'ici, on a un premier cas de situation. Si mon adversaire joue la même carte que j'ai jouée, une passe. Je joue une carte. S'il rejoue encore la même carte que j'ai jouée, il réussit à marquer un but. Autre cas de figure. Je joue cette fois-ci Al Pike. Excellent joueur. Mon adversaire fait une passe en jouant la même carte que celle qui vient d'être jouée. Ça revient à moi. Je fais une interception. Je lui vole sa passe en jouant une troisième carte consécutive qui a la même valeur, le même joueur. Fait qu'on peut soit se référer au nom, soit se référer au chiffre pour savoir si c'est les mêmes choses. Fait qu'en jouant, s'il a réussi une passe, je rejoue encore une fois la même carte. J'ai réussi une interception, puis les règles continuent. Si mon adversaire joue une autre carte, puis je rejoue la même, bien, je vais avoir réussi à marquer un but de mon côté. Il y a ensuite quelques cartes particulières. Disons que je suis dans cette situation-ci, j'ai la passe, mon adversaire peut jouer un gardien de but. S'il joue un gardien de but, on recommence à zéro. Fait que c'est la prochaine carte qui va recommencer la chaîne pour savoir si on réussit à faire des passes pour éventuellement marquer des buts.
autre cas de figure, peu importe la situation, disons que je viens ici, j'ai une passe, mon adversaire joue un arbitre, j'ai une pénalité, mon adversaire tombe en avantage numérique. Si on tombe en avantage numérique, les deux prochaines cartes vont être très importantes. Mon adversaire joue ceci, je dois jouer une carte, je vais jouer celle-ci, Pierre Météo, je vous laisse essayer de deviner ça fait référence à qui. Et là, je vais rapprocher ça un petit peu pour vous montrer. Comme j'ai joué cette carte-ci, tout de suite après avoir joué un arbitre, ce n'est plus le numéro qui va être important pour savoir si mon adversaire réussit à marquer un but. Soit dit en passant, j'ai oublié de préciser, quand on joue un arbitre, le joueur qui joue l'arbitre gagne automatiquement l'avantage de la passe. Il tombe en avantage numérique. Donc, la prochaine carte peut être déterminante directement pour un but. Donc, je reviens à mon explication. Mon adversaire joue un arbitre. Il est en avantage numérique, je joue cette carte-ci. Ce n'est plus le chiffre qui compte, c'est le petit symbole. On voit ici un petit symbole de cible. C'est juste ce symbole-là qui va déterminer si mon adversaire réussit à marquer un but ou non. Si je reviens aux autres cartes qu'on a vues précédemment, je peux avoir un symbole de cible, celui que j'ai montré. Je peux avoir un petit symbole de patin. Je peux avoir un petit symbole de point. Ou je peux avoir un petit symbole avec un petit bâton de hockey puis une rondelle de hockey. Fait que dans ce cas-ci, comme c'est un symbole de point qui a été joué, si mon adversaire joue par-dessus un symbole de point, il va réussir à marquer le but. Et comme les symboles sont divisés à part égale à l'intérieur du paquet de cartes, donc exactement le quart des cartes qui est le symbole de cible, le quart le symbole de bâton, puis ainsi de suite, les probabilités sont un petit peu plus grandes que mon adversaire réussisse à marquer un but. Comme il est en avantage numérique, c'est tout à fait normal. Fait qu'on continue à jouer comme ça. Quand on épuise notre main de 5 cartes, on en distribue 5 nouvelles à chacun des joueurs. On roule comme ça jusqu'à temps que le paquet soit épuisé. On a une période de fait. On rebrûle 5 nouvelles cartes. On redistribue 5 à chaque joueur. On continue comme ça jusqu'à temps qu'on ait 3 périodes de jouer. Celui qui a le plus de points à la fin de la partie l'emporte tout simplement. Finalement, je vais juste vous montrer rapidement les autres éléments du jeu. On a une carte, tout simplement un petit visuel pour montrer quelle équipe est sur la glace présentement. On a les résumés des règles qui est sur une petite carte. Et la carte de pointage que je vous ai montré tantôt, fait qu'on peut se servir de n'importe quelle autre carte pour dévoiler au fur et à mesure que la partie avance le score qu'on a. Et finalement, il y a cette carte-là sur laquelle je veux attirer votre attention quelques instants parce que si vous comptez les cartes, si vous êtes un pro de statistiques ou une bête en maths, vous allez beaucoup aimer cette carte-là. On a ici la distribution des cartes à l'intérieur du paquet. Fait qu'on voit que le meilleur attaquant, le 99, il est là 9 fois à l'intérieur du paquet. On voit que le 88, il est là 8 fois, le 77, 7 fois, ainsi de suite. Et il y a un petit truc assez facile pour s'en rappeler, le 99, double 9, il est là 9 fois, le double 8, 8 fois, le double 7, 7 fois, ainsi de suite. On a 5 cartes qui sont moins... qui n'ont pas un double numéro, en fait, sont là chacune 4 fois, et les cartes à numéro unique, le 3 et le 2, sont là respectivement 3 et 2 fois. Fait que c'est assez facile de s'en rappeler. On a ensuite les 5 cartes spéciales du jeu, les 3 arbitres dont j'ai parlé tantôt, et on a 2 gardiens, ce qui amène ce paquet de cartes-là à un grand total de 65 cartes. Donc, qu'est-ce qu'on en a pensé? Je pense que c'est unanime pour s'en bourguer moi-même. C'est un jeu vraiment très très bien, très très fun, super intéressant. Le visuel est très intéressant, les cartes graphiques, il y a plein de petits jeux de mots qui sont drôles, qui sont des fois pas faciles à trouver. Il y en a que j'ai cherché longtemps. Les règles, c'est super simple à expliquer, ça s'apprend rapidement, ça se joue rapidement, ce qui est toujours un plus dans le jeu de société. Fait que personnellement, je vous le recommande vraiment beaucoup. Quand la campagne va sortir, n'hésitez pas à sauter là-dessus, ça sera pas très dispendieux, mais ça, je laisserai les détails dans quelques instants. Donc, vraiment un jeu super intéressant. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est la thématique de hockey. Donc, on est des fans de jeux à Professeur Board Game, on est aussi des grands fans de hockey. Oui, on le montre. Et il y a beaucoup de jeux de hockey sur le marché, mais bah, souvent, ils sont bof, là. Donc, ce jeu-là, hockey sur carte, donc vraiment le fun. Le fait que ce soit un jeu québécois aussi, là, je pense que ça amène un petit cachet à ce jeu-là. Essayez ça, allez supporter là, sur Kickstarter. Je suis en train de rajouter, ce qui est intéressant aussi pour les amateurs de hockey, c'est que la fluidité du jeu, je trouve, représente bien une partie de hockey, l'espèce de vitesse. Joue une carte, bang, une passe interceptée, un but, une pénalité, c'est rapide. C'est le tempo, ça représente bien ça, qu'on joue à 1 contre 1 ou à 2 contre 2, là, les modes de jeu possibles. Ça reste super rapide, super intéressant. Donc, oui. Pour les détails de la campagne, peut-être. Ben, en fait, un peu, oui, c'est ça, les détails de la campagne. Donc, à partir du 21 septembre, la campagne va être lancée. Donc, si vous voyez cette vidéo-là dépasser le 21, allez tout de suite voir à cette adresse-là. Allez nous voir, puis, attends, on va juste la remonter. Okay, okay. Que,
On va pouvoir, dans le fond, vous allez trouver toutes les informations, comment pledger, comment nous supporter. On prévoit à peu près une vingtaine de dollars pour le jeu, 20 dollars canadiens, bien sûr. Ce qui est rare sur Kickstarter, ouais. Profitez-en. Puis sinon, écoutez, c'est autant un petit jeu qui peut se servir entre deux gros jeux. On fait une soirée de board game, on joue un jeu complexe, on se détend un peu avec ça, une petite partie rapide de 15-20 minutes. Après ça, on embarque dans un autre gros jeu où on peut carrément en faire une soirée complète avec un tournoi. On fait une pré-saison avec des playoffs. On peut tenir les statistiques si ça nous tente, savoir c'est quoi ton joueur fétiche qui est pour se carrer. C'est-tu Johnny Biscuit ou si c'est All Pike, peu importe. Voilà, c'est pas mal ça. Moi, je voulais dire un beau chapeau à mon frère pour toute l'énergie qu'il a mis là-dedans. Je pense que c'est ton frère qui s'occupe du graphisme. Ici, c'est mon frère qui s'occupe, c'est ça, du graphisme. C'est vraiment top-notch, le graphisme. Ouais, ben, je merci de sa part. Mais non, c'est ça, au niveau graphique, au niveau de la conception du jeu aussi, c'est lui. Ça vient d'un jeu familial qui a traficoté là, pour que ça devienne un jeu beaucoup plus intéressant, là, tant qu'à moi. Là. Mais voilà, c'est pas mal ça. Parfait. Donc, OK sur carte, allez voir ça sur Kickstarter. Là, vous avez dit que vous aimez ça parce que je suis là. Hein? Ben non, on aime ça pour vrai. Ok. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine et continuez de gamer. Salut. Salut.